Et avec moi, il y avait le directeur Amande, Denis, et aussi le directeur de l'Afrique subsaharienne, Denis. Oui, au centre de notre entretien, bien sûr, c'était le projet GNL. Je pense que tout le monde connaît maintenant ce projet. On est arrivé à la start-up, donc au démarrage de la production. Comme on a communiqué à toute la presse le 28 décembre, on a réussi à faire l'introduction des hydrocarbures dans le plan et maintenant le plan a commencé sa production. Donc on a partagé avec le ministre le succès de ce projet, le démarrage à l'heure de ce projet et les prochaines phases qui vont avoir une croissance de la production à partir déjà de 7 mois pour arriver à la deuxième phase 2025 où on aura un deuxième bateau de liquéfaction. Donc c'était un message, je pense, très positif et encourageant pour nous, pour le ministère, aussi pour le Congo, qui est désormais en janvier devenu un producteur de gaz liquéfié. Alors l'actuel bateau de liquéfaction, il a une capacité de 0,6 millions de tonnes par année de gaz. Et on est déjà en train de construire le deuxième bateau d'une capacité de 2,4 millions de tonnes par année. Donc on aura à partir de la fin de 2025 une capacité totale de 3 millions de tonnes par année de gaz liquéfié.